suis une étoile partout je passe. Tiens ma part. L'eau qui l'a touchée. Vous voyez, en réalité, quand je la regarde, je l'ai vu pleurer. Qui est Rodrigo Ousmane? C'est qui? Où est Rodrigo Ousmane? C'est le mari de ma copine. C'est le mari de ta copine? Est-ce qu'il est noir? Oui. Ta copine? Tourne ton dos, je vais voir quelque chose. Reviens. Come back. Est-ce qu'elle s'appelle Sophie? Oui. C'est ça? Acclamez Dieu très fort. Clap for the Lord. Tu peux te rappeler en 2015, elle a fait une fille? Tu peux te rappeler? Une fille? Sa première fille. Ta première fille, c'est ça? Je vais prier. Amen. Il faut lui donner mon numéro. Tu comprends? Il faut qu'elle m'appelle le vendredi. Je vais prier pour elle. Parce que l'accouchement de cette fille n'a pas été facile. Elle a failli passer. Elle avait un problème de respiration. Ils ont mis les appareils tout et tout. Tu sais ça? Aux États-Unis. En attendant le Seigneur. Je vais prier pour elle. Tu comprends? Et Dieu va ouvrir des portes. Parce que son mari, je vois Dieu qui va l'élever. Dieu va élever son mari. Il sera très puissant. Est-ce qu'il est déjà allé au Burkina? Son mari? Ils sont au Burkina. On acclame le Seigneur. Mais je vois une porte que Dieu va lui donner au gouvernement. Il y a une grande porte que Dieu va lui confier. Parce qu'actuellement, il a un projet de faire une agence téléphonique. Il a fait. Acclame ton Dieu très fort. Acclame ton Dieu très fort. Il aura beaucoup, beaucoup d'argent. Amen. Et Dieu va faire des grandes choses. Amen. Mais elle ferait un troisième enfant, elle risque de rester dedans. Il faut lui dire de m'appeler. Amen. Il va prier pour elle. Et puis Dieu va faire. Parce que Dieu lui parle beaucoup dans les rêves. Il faut que je parle beaucoup avec elle. Donne-moi la main droite. Tu es vivant. Toi qui accomplis ta parole. Je te rends grâce. Seigneur, Sophie, je la scelle dans ton sang. Je ne la connais pas, mais tu m'as transporté afin de la voir. Je te rends grâce. Tu as transporté mon esprit comme tu l'as fait à Ézéchiel, comme pour Philippe. Seigneur, merci. Je scelle toutes ces choses dans ton sang. Ça marche sur ta couverture. Tu m'as dit, les Américains blancs viendront au pays afin d'installer des antennes partout. C'est un homme que tu vas rendre prospère. Seigneur, tu m'as montré qu'il sera ministre dans son pays. J'ai foi. Accomplis ta parole au nom de Jésus. Amen. On n'a pas prophétisé sur tout le monde. Maman, ça va? Est-ce que tu prépares un voyage cette année? Tu vas aller en Côte d'Ivoire? Il ne faut pas partir. Non, il ne faut pas partir. Amen. Parce que je vois une maison. Projet de construction. Si tu t'en vas, on t'attend. C'est pour ça que tu veux partir? Hey, il cache les choses à papa. Papa voit tout. C'est pourquoi il faut tout dire à son papa. Quelqu'un dit amen. Non, il faut reporter. Tu reportes 2 mois et le troisième mois, il faut partir. Tu as compris? Il faut reporter 2 mois, non qu'à passer. Amen. Et puis tu vas effectuer. La date, là, il faut la changer. On t'attend trop, c'est pas bon. Les gens sont beaucoup contre toi. Fais beaucoup attention. Ta famille sont divisées à cause de ton argent, la jalousie. Et Dieu est avec toi. Il y a l'une de tes soeurs, elle voit là, elle est trop mauvaise. Elle a trop sali ton nom. Vas-y doucement. Parce qu'on t'attend. Je vais te montrer comment on allait t'envoûter. En fait, elle allait préparer. Tu connais Guaguasu, non? Tu aimes ça beaucoup. C'est ce qu'ils vont faire, puis ils vont t'envoûter. Tu vois, non? On acclame le Seigneur. Amen. Il faut reporter. Amen. Dieu va faire le reste. Donne-moi la main. Toi qui ouvres une porte que personne ne peut fermer. Tu as parlé, elle est sous ta couverture. Tu la protèges. Dieu d'Abraham, le Dieu de MFV. Tes ennemis qui ont projeté, qui ont créé des projets, qui ont formé ces projets, cela va retourner contre eux. Si je sais Dieu de tout mon cœur, de tout mon être, cela n'aura pas lieu. Tu iras, tu viendras dans la victoire. Au nom de Jésus, je déplace la date. L'Éternel est avec toi. Vis longtemps. Au nom de Jésus.